Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, logiquement, c'est une très belle vidéo. On va recevoir trois colis, donc ils sont juste là, devant vos yeux. Ces colis, normalement, ils contiennent des secrets anciennes, des primes, des niveaux X, donc ça va être vraiment des belles choses. On va commencer par ce premier colis, je le déballe et on se retrouve juste après. Alors voilà comment ça se présente. Comme vous l'avez vu, c'était vraiment bien protégé. Donc on a une seule carte dans ce colis, on avait un gros colis pour une seule carte, mais c'est parfait parce que c'était vraiment bien protégé. Il s'agit d'un Mew Prime, donc c'est une carte que je n'avais pas. Donc, je suis très content de l'ajouter à la collection. Cette carte, elle nous vient de chez l'ami PokéEmeric, il me semble, YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube et qui a aussi un compte Instagram avec quelques abonnés quand même. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Ici, on a donc le Mew Prime que je vais ajouter à la collection. Donc il m'avait montré qu'il y avait des petits défauts derrière, qui sont assez étranges d'ailleurs. Donc ce sont comme des enfoncements. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne pense pas que ce soit d'usine, à mon avis, c'est de stockage ou de manipulation. Mais donc on sent vraiment que c'est en relief en fait. Mais bon voilà, c'est pour du classeur. Je l'ai payé 10 euros il me semble, plus les frais de port. Donc j'en ai eu pour à peu près 13 euros. Donc ça, c'est pour la première carte, le petit Mew qui va rentrer en collection. On passe sur le deuxième colis, et donc le deuxième colis il devrait y avoir un peu plus de cartes. C'est parti pour le déballage. Bon, ici l'emballage était un peu plus cheap, mais c'est pas grave. Voilà l'état des cartes, donc il y a vraiment des cartes dans tous les états. On a 5 cartes, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Alors là, c'est collé, je sais pas pourquoi. Ok, bon, bah la sleeve qui colle en fait. Donc 5 cartes que j'ai payé 25 euros, il me semble, donc ça faisait à peu près 29 euros avec les frais de port. Donc on a des très belles cartes, le petit Skelenox pour commencer, qui est dans cet état-là, donc voilà, c'est pour du classeur. Moi ce sera très bien pour mon classeur, donc c'est la dernière shiny qui me manquait sur Tempête. Donc ça c'est vraiment cool, ça va rentrer dans le classeur. Ensuite on a Electrode Prime, donc c'est que des cartes qui me manquaient, ou alors des cartes que j'affectionne vraiment. Donc ce Electrode que je n'avais pas non plus, si je ne me trompe pas, qui va rentrer en classeur également. Ensuite on enchaîne, donc en plus l'Electrode qui est de la même série que ce Mew juste à côté. Donc ça va remplir plusieurs cases d'un coup. Là, on a un Meganium que j'ai payé 3 euros, je crois. Et il coûte vraiment rien. C'est une promo et puis elle est explosée. Elle, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps en bien meilleur état. Donc ça ira avec les doubles. Le Torterra en promo. Donc ça, je suis vraiment trop content de l'ajouter parce que j'en avais qu'une. Donc je suis content d'en avoir une deuxième en collection. Et on finit avec le Magnézone. Donc lui qui est quand même dans un meilleur état. Magnézone en Prime encore une fois. Toujours de la même série, donc de Triomphe. Donc on va ajouter 3 Primes d'un coup à la série. Donc ça c'est vraiment génial, on commence à avoir une belle réception quand même, et c'est pas fini parce qu'il nous reste encore un colis et on est parti pour le déballage. Donc voilà comment ça se présente. On a deux cartes qui sont comme ça, c'est deux cartes que j'ai payées, et ensuite il y a des petits cadeaux avec. Donc j'ai payé le lot 13 euros. Alors ce Heatran je l'ai déjà, mais je pouvais pas m'en empêcher, il était que à 8 euros, donc j'ai pris et l'état était pas si mal que ça. Et donc celui-ci, il vient juste là. Et il y avait ce Corboss qui coûtait vraiment rien. Je crois que je l'ai eu bah, pour 5 euros. Donc pour ceux qui connaissent la rareté de cette carte, c'est vraiment pas grand-chose. On va essayer de faire le focus quand même. Bon là, le top loader, il est dégueulasse. Mais de toute façon, ça va partir dans mon classeur. C'est une carte vraiment sympa qui me manquait. Donc c'était la dernière niveau X qui me manquait dans cette série. En même temps, pour les connaisseurs, il n'y en a que deux. Et donc, il m'a mis des petits cadeaux. Il m'a demandé en fait quelle série je collectionnais. Donc je lui ai dit que je collectionnais pas vraiment de collection épée et bouclier, mais par contre que je collectionnais un Pokémon en particulier qui était la famille de Tortipousse et les Magmar. Donc les Magmar c'est pas pour moi. Mais voilà ce qu'il m'a mis en cadeau, donc je le découvre en même temps que vous. C'est des petits cadeaux sympas, il y en a pour pas grand chose en valeur, mais ça fait plaisir. Donc ces deux cartes là, une qui partira chez le poteau Uvus et une pour ma collection. Et le reste je le garderai parce que les cadeaux je les garde. Donc voilà pour cette réception, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sortir les classeurs et on va se ranger tout ça ensemble. C'est parti pour le rangement sous classeur. Donc là on a le premier classeur de diamant et perles. Donc on a DP1, donc diamant et perles de base. Ensuite on passe sur DP2 qui est trésor mystérieux. Et on va aller sur DP3 pour ranger ce Corboss de merveille secrète. Donc là vous voyez qu'il manque des holos, il manque quelques rares. Mais on a bientôt fait le tour de la série en termes de rares. Les Unco et les communes, il me semble que c'est complet. Il nous manque juste une Unco ici si je ne me trompe pas. Et là, on a la dernière carte de la série, le Corboss qui vient à sa place. Donc ça fait super plaisir. On a les deux niveaux X de la série qui sont réunis. Et c'est vraiment pas les plus simples à trouver.
On va changer de classeur maintenant et passer sur le deuxième classeur, celui avec la suite de diamants et perles. Elle est ici, la suite de diamants et perles. Et donc là, on a duel au sommet, ça c'est complet. Et ouais, ça fait trop plaisir de dire que la série est complète. Aube, on a presque fini. Il va manquer quelques niveaux X quand même ici. Donc on a Philali et Givrali et une dernière, je ne sais plus laquelle c'est qui me manque. Et là, on a Éveil. Donc Éveil, c'est quasiment fini aussi. Il va nous manquer pareil. Quelques niveaux X, il va en manquer deux ou trois, il me semble, sachant que j'en reçois une ou deux bientôt. Il y a le Rhinastock que je vais recevoir bientôt, donc vous le verrez en vidéo. Il me manque un des deux elfes aussi, d'ailleurs je vais recevoir aussi ce Créfolé en double. Donc ça va aller dans le classeur de double, et puis vous verrez que dans cette vidéo, il y a d'autres cartes qui vont aller dans le classeur de double. Donc là, on a le Itran qu'on va ranger dans Tempête. Donc, Tempête, c'est juste ici, celle-ci, elle est complète. Sur le set normal, il me manque que des secrètes. Et là, on va rajouter donc, le Itran qui est ici. On va voir l'état. Au niveau de l'état, on est quand même bien meilleur sur celle que je viens de recevoir. Donc, bah, je ne vais pas changer la sleeve. Elle est très bien comme ça, la sleeve. Petit changement de Itran. Donc, le deuxième va aller dans le classeur des doubles. Et ensuite, on a le Skelenox, donc la SH numéro 2, donc la deuxième Shiny, qui vient juste ici. Donc, il nous manquera plus que deux cartes, le Salamèche et le Réplincelle. Et ensuite, on va changer de classeur pour passer sur la dernière série à compléter qui est Triomphe avec trois nouvelles primes d'un coup dans la même vidéo. Et ça, ça va vraiment faire plaisir. Là, on a le classeur Platine HGSS et tout le reste que je collectionne qui est derrière ça. Donc, on a Platine d'abord, Platine 1, Platine 2, donc rivaux émergents, Platine 3 qui est vainqueur suprême. On passe sur HGSS 1, donc qui est Hard Gold Soul Silver. La numéro 2, c'est Déchaînement. Nous on va à la numéro 4, là la numéro 3 c'est Indomptable, et celle qui nous intéresse c'est la dernière, c'est Triomphe. Et donc Triomphe, on a bien avancé aussi, il manque plus grand chose, sur les Co&Co je pense qu'on est complet, et on a beaucoup de primes, donc 3 primes à rajouter, il y a beaucoup de primes dans ces séries là. On a la numéro 93, donc là on est à 94, donc 93 ce sera juste ici, juste derrière la sleeve jaune qui est de l'autre côté. Donc ça, ça vient à sa place, la 96 qui vient en dessous, évidemment quand on a trois places derrière c'est qu'on est à la case du dessous, et la Mew qui vient juste ici, donc là ça permet de compléter quasiment la page, ça fait extrêmement plaisir de remplir tout ça, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose déjà. Donc on a 6 primes et on a trois parties de légende, donc il en manque plus qu'une aussi pour cette série, donc on avance bien. Et après il manquera à chaque fois la lithographie d'alpha, j'en ai qu'une sur les 4 qu'il y a dans le TCG, je crois qu'il y en a 4 si je me trompe pas, ou peut-être 3. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Et en tout cas, bah, j'en ai qu'une pour l'instant, donc ça, va falloir que je les trouve. C'est pas super cher, mais c'est chiant à trouver. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on va sortir le dernier classeur, c'est le classeur des doubles. Là, ça va être vraiment beau. Alors on est parti pour ranger les doubles de niveau X, de Prime et de Légende sous classeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ressorti et j'ai changé les sleeves en fait pour que ce soit un peu plus harmonieux. Donc j'ai tout sorti, voilà ce que ça donne en termes de quantité, je crois qu'il y en a 37 si je ne me trompe pas. Ça commence à faire une belle quantité quand même, donc c'est que des doubles ou des promos en double. Donc voilà, c'est ce qui rentre pas dans mes sets en fait, dans mes classeurs, soit je les ai déjà, soit ça fait pas partie d'une série. Donc on va commencer par la fin, donc de toute façon ça sert à rien que je vous montre petit à petit parce qu'on va toutes les voir dans le classeur. Donc on commence par les primes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'en ai 9, ça va faire une page complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette légende-là. Et on va y aller dans l'ordre. Donc il n'y a pas d'ordre spécifique, je crois que je les ai triés par type, c'est tout. J'ai juste mis les starters à la suite pour la fin. Parce que j'aime bien mettre les starters ensemble, évidemment. Donc on a Alligator, Typhlosion. Bah, ce qu'on va faire, c'est même... On va faire une suite, comme ça on a Alligator, Typhlosion et Meganium. Et parce que j'ai 3 Meganium tout simplement, donc on va mettre les deux autres Meganium juste au-dessus. Sachant qu'il y a deux promos sur les Meganium et une de la série. Ensuite la légende, bah, je vais la mettre après. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais mettre les niveaux X. Donc, je vais ranger les niveaux X sur cette double page là. On va commencer par la fin. Comme ça, en fait, je garde de l'espace pour mettre d'autres primes. Je vais commencer à ranger ici. Je vais prendre dans ce sens-là. C'est parti. Shaymin, Shaymin,
Shaymin. Donc vous voyez que là on est sur des promos en double. Là le Torterra qui est très sympa, qu'on a reçu aujourd'hui. Pingoléon, il y en a un deuxième. Alors je n'ai pas Simiabras en promo, c'est la seule qui me manque dans les starters. Palkia, Rhinostock. Donc là c'est trié par type en fait. On a le Heatran, le deuxième, donc celui-ci qu'on a reçu aujourd'hui. Ensuite, un Dialga. Donc là, des Dialga, il y en a plein. Il y en a deux différents, mais il y en a plusieurs de chaque à chaque fois. Je crois que j'en ai 6 en tout. Parce que celui-ci, il est vraiment commun, donc on le voit un peu partout. Voilà, j'en ai 4 de celui-ci. Donc là, on a une page quasiment full Dialga. Ensuite, on a le petit Karchakrok qui vient ici. Le Regigigas, le deuxième exemplaire. Donc ça commence vraiment à avoir de la gueule ce genre de page. Avant j'avais mis les petites sleeves avec le fond en or là. Et je trouve qu'avec le fond gris en fait ça fait encore mieux ressortir l'effet niveau X avec les bords gris. Donc t'as les bords gris de la carte plus les bords gris de la sleeve. Donc c'est vraiment stylé je trouve. Ici on a Darkrai et le deuxième. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais mettre juste la petite légende devant. Comme ça, voilà où on en est. Donc on a l'équivalent d'une double page et demie en gros de niveau X. Là j'ai essayé de la place pour les primes et derrière en prime ça donne ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous propose de mettre niveau X dans les commentaires parce que c'est le sujet principal de cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Allez, salut !